Bonjour, nous recevons aujourd'hui à Vincennes le chef d'escadron Olivier Menu, commandant de la réserve citoyenne, qui est l'auteur d'une biographie consacrée au gendarme Édouard Charlot, un martyr de la Résistance. Alors, mon commandant, cher Olivier, bonjour. Dites-nous dans quelles conditions vous êtes engagé dans ce travail. Bonjour, mon colonel. Écoutez, c'est un pur hasard. J'ai rejoint effectivement la réserve citoyenne il y a 23 ans, et au groupement de gendarmerie de la Marne, la caserne s'appelle Édouard Charlot. Et à l'occasion d'une cérémonie, le général Jokers, qui commandait le groupement, m'a demandé de faire une petite note de synthèse sur qui était Édouard Charlot. Puis cette petite note est devenue une biographie de plus de 200 pages, illustrée d'une très riche iconographie, et j'ai pu découvrir que, effectivement, Édouard Charlot était un des premiers résistants de la ville de Reims, de la Marne, et que son réseau étant très actif a inquiété les Allemands au point qu'il se fasse arrêter en 1942 pour être déporté et exécuté en Allemagne en 1943. D'accord. Et alors, au cours de ce travail, vous avez bien sûr eu accès aux archives de la Défense, mais vous avez surtout eu accès aux archives personnelles conservées par la famille d'Édouard Charlot, notamment par son fils. Y a-t-il un événement, une impression qui vous ont particulièrement marqué au cours de cette enquête? Oui, plusieurs. Je suis un historien amateur, hein, je le dis bien clairement, mais j'ai eu la grande opportunité de pouvoir accéder au service historique de la Défense et également à des archives d'historiens professionnels sur la région. Et grâce à cela, j'ai pu reconstituer de manière extrêmement précise le martyr d'Édouard Charlot. Mais surtout, et vous venez de le dire, mon colonel, j'ai pu accéder à ce fonds familial chez Joël Charlot, qui est le fils du gendarme Charlot, qui est aujourd'hui un grand-père comblé, mais qui m'a fait découvrir ses archives de famille, qui découvrait un petit peu en même temps que moi. Ça a été extrêmement émouvant pour lui comme pour moi. Et puis, dernière chose, enfin, grâce aux archives aussi bien de Vincennes que de Caen, j'ai pu découvrir les minutes du procès et les conditions très précises de l'exécution d'Édouard Charlot, ce qui n'était pas très clair historiquement. Voilà. Quand pourra-t-on retrouver votre livre en librairie? Écoutez, grâce au colonel Courté et à sa sympathique et dynamique équipe, et grâce à vous, mon colonel, je vous en remercie, nous avons trouvé un éditeur et l'ouvrage devrait sortir au début de l'automne prochain, donc dans quelques mois. Donc avis aux amateurs. Bien, vous êtes entré dans cette petite communauté avec votre livre d'historien de la gendarmerie, notamment ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'occupation. Avez-vous d'autres projets d'écriture ou des prolongements de vos travaux qui sont d'ores et déjà prévus? Oui, alors je ne suis, je l'aurais dit à nouveau, qu'un simple historien amateur, mais j'ai été touché par le virus de l'histoire de la gendarmerie et j'ai deux projets sur lesquels je travaille actuellement. Le premier, c'est le rôle stratégique que la gendarmerie a joué pendant la bataille de Verdun, dont nous fêtons le centenaire cette année. Et puis un sujet plus compliqué, mais je pense qu'il va intéresser beaucoup aussi de lecteurs, c'est le rôle de la gendarmerie dans le cadre de la rafle du Veldiv à Paris pendant l'occupation. Voilà. Bien, mon commandant Olivier, merci. Nous allons à la Delpat soutenir l'édition de votre livre et suivre attentivement le prolongement de vos travaux. Merci. Merci, mon colonel.